Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo sur Bulbasaur Soul. Donc vidéo sur la loterie rerun du coup de Masaki Eishin. Donc c'est très problématique pour ma box. Parce que du coup j'ai besoin de Eishin pour les QDG. Parce que je vous rappelle que j'ai droppé Masaki, mais je n'ai pas réussi à dropper le Eishin, qui est d'ailleurs le seul perso qui m'intéressait dans la loterie. Donc du coup problématique. On va essayer d'aller chercher Eishin du coup, mais alors déjà avant d'aller décider d'ou pas d'aller poule là-dessus, parce qu'il me faut Eishin, j'ai envie d'aller poule là-dessus, mais on voit que la loterie est faite pour durer jusqu'au 1er septembre. Donc du coup on aura déjà la bannière de fin de mois qui sera tombée, et bien évidemment les news. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais attendre tranquillement les news de fin de mois. Si la loterie de fin de mois me plaît pas, je vais invoquer sur cette loterie qui est une loterie exclusive anniversaire entre guillemets. Alors pourquoi je dis exclusive anniversaire? C'est pas parce que c'est effectivement marqué dessus, mais ce qu'ils entendent par exclusive anniversaire, c'est qu'il y a le ticket. Voilà. Parce que en temps normal, sur un rerun, il n'y a jamais de ticket. Voilà. Vous pouvez vérifier tous les reruns en dehors de l'anniversaire. Il n'y a jamais le ticket. Donc là, pour l'anniversaire, ils ont décidé d'être généreux et de laisser le ticket pour le rerun. Mais c'est encore une fois exclusif anniversaire. C'est pour ça qu'ils insistent sur le thème exclusif anniversaire. C'est parce que, du coup, un rerun classique, quand ils vont rerun, je sais pas moi, dans... Je crois que c'est 3-4 mois, je crois, qu'ils rerun les bannières, je crois que Dark Comedy. Donc du coup, si dans 3 mois, ils rerun encore cette bannière... Bah là, ce coup-ci, il n'y aura pas le ticket anniversaire. Enfin, il n'y aura pas le ticket à choix, quoi. Parce que du coup, généralement, sur les runs, il n'y a pas le ticket. Bon. Oh, bien évidemment. Ah oui, bien... C'est ça, les fillers? Ah. Ah. Alors, si vous êtes nouveau joueur, il y a du très bon là-dedans, hein. Genre, il n'y en a aucun acheté, sauf l'animou. Je parle bien en Link. Parce que ça, c'est Link Potion. Link PVP, Link PVP, Link temps de recharge perfection, Link temps de recharge dégâts d'attaque puissante perf. Et Tanjiro c'est pareil, Link temps de recharge et dégâts d'attaque puissante perf. Et Nimu c'est temps de recharge pureté, donc du coup ZF. En tout cas par Nimu ils sont tous très intéressants à jouer en Link. Alors pour ma part, lui je m'en fous, j'ai déjà. Enfin, je les ai tous, hein, mais Tanjiro FT, Nemo SP5, Toshiro SP3, Aizen SP5, enfin FT même, Ichigo FT et Konamura FT. Donc j'ai 5 sur 7 des fillers qui sont FT. Ça fait mal. Qui plus est, il y a un Rselec. Donc ça fait très mal quoi. Les poules là-dessus pour ma box c'est ultra dangereux. Mais dans tous les cas j'ai pas le choix quoi. Si je veux, si la bannière est de fin de mois est pas intéressante. Et du coup pour la Rota Kunsi mêlée, bah j'aurais pas vraiment le choix d'aller chercher le Hin. Parce que c'est pas avec Ichibei SP1 que de faire un énorme score quoi. Bref, en tout cas si vous êtes nouveau joueur, en vrai, même si vous êtes nouveau joueur, attendez quand même les news de fin de mois pour invoquer sur cette loterie. Parce que oui, Eishin est très intéressant, Masaki l'est beaucoup moins. Mais on sait pas la dinguerie qu'il peut avoir en fin de mois. Genre, je pense à des V2, qu'on n'a pas encore. Genre Uetsu, il a toujours pas eu de V2 dans le jeu. Bon, je pense au remake du Vastos, mais... En loterie fin de mois, ça m'étonnerait parce que du coup, Vastos devrait être un premium. Mais en tout cas, on n'est pas exclu encore avoir de la guerre sanglante en fin de mois. Quoi. Donc, comme je dis, attendez les news de fin de mois pour vous décider ou pas d'invoquer sur cette loterie. Moi, en tout cas, c'est ce que je vais faire. Bon, en tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, petit pouce bleu, petit partage, petit commentaire. Et nous, on se dit à la prochaine pour une vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.